Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Batman Arkham City. Lors du dernier épisode, nous avons battu Freeze et on s'est fait voler l'antidote par le Joker. Donc il va falloir aller le récupérer. Alors, niveau supérieur, on peut avoir différentes choses qui peuvent être sympas. On peut prendre des coups critiques, tiens, ça pourrait être intéressant. Ok, allez. On va sortir d'ici du coup et on va essayer d'aller chercher cet antidote volé par le Joker. Ah, par contre, c'est gelé par là a priori. Normalement, c'est par là qu'on devrait sortir. Ah d'accord. Ok, c'est juste pour pouvoir essayer la nouvelle grenade qu'on a récupérée. Alors. L'homme mystérieux qui a appelé disait vrai. On dirait que Batman lui-même sort du bâtiment. Ah oui, vraiment? Salut, Gotham, c'est moi. J'ai bien peur que Miss Bell ne doive bientôt quitter l'antenne. Veuillez nous excuser pour cette interruption. On a été touchés! On va s'écraser! M'aider! M'aider! Si quelqu'un m'entend, on va... Ok. Alors, il va falloir commencer par aller sauver Vicky Vale. Si vous me recevez, mon hélicoptère a été abattu. On s'est écrasé quelque part dans Arkham City. On a besoin d'aide. Je suis coincé sur la vieille autoroute de Gotham, au beau milieu de ce qui ressemble à une guerre des gangs entre... Qu'est-ce que c'était? Oh non! Il y a des snipers! Il y en a tout autour de moi! Je crois distinguer des détenus qui se dirigent vers nous! Ah! Pitié, si vous m'entendez! Envoyez de l'aide! Vicky Vale! Je répète, ici Vicky Vale! Si vous m'entendez, aidez-moi! Cette gare, c'est à moi! On va essayer quelques éliminations silencieuses. Il semblerait que les snipers qui couvraient ma position au sud-est soient partis. Le toit du bâtiment Kirchen est redevenu calme. Soit ils sont partis, soit quelqu'un les a éliminés. Tu la vois pas? Regarde mieux. Le Joker veut qu'on tue la journaliste. Ouais, ok, j'essaie. J'ai du mal à avoir une vue dégagée. Les tirs ont cessé sur les tours d'Ini. Je ne vois plus aucun sniper sur le toit du complexe résidentiel. Quelqu'un entend ce message. Envoyez de l'aide. Pitié. Vous devriez être à l'abri ici. Ne bougez pas. Et faites profil bas. Vous m'accorderiez une exclusivité? Vous pourriez dire à Gotham ce qui arrive à votre visage? Non. Restez ici, et pas un mot. Voyons, voilà des manières de s'adresser à une gentille journaliste bateau. Qu'est-ce que tu veux? Mais à qui vous parlez? Oh, tu as vu un peu ce que tu as fait? Cette pauvre femme est complètement perdue! Enfin, ça n'a rien de surprenant. Elle vient d'avoir un terrible accident après tout. Causé par toi. Comment oses-tu? Je n'ai jamais été aussi... Oh, non, après tout, oui. D'accord, c'était moi. J'avais besoin d'un peu de temps pour qu'Harley revienne avec mon merveilleux antidote. Et si tu es bien sage, j'en aurai peut-être un peu pour toi. Il y a peu de chance, je sais. Mais après tout, je suis ton seul espoir. Non? Bien, Gotham. On dirait que je suis sauvé, pour l'instant.
Batman vient juste de me secourir. J'ai failli mourir. Il m'a sauvé des mains des snipers qui travaillent tous pour le Joker. Comment les hommes du Joker ont-ils pu obtenir des fusils de sniper dans une prison de haute sécurité? C'est qui, ça, Gotham, là? C'est ce que je compte demander au professeur Strange si jamais je sors d'ici. Il y a quelqu'un, là. Je t'ai bien observé, Batman, pour voir si tu étais prêt. Ça fait 2-3 fois que je le vois autour de nous, je voulais voir qui c'était. Le veilleur, qui est ce mystérieux personnage? Bon, ok, c'est pas grave. Allez, on retourne voir le Joker du coup. Personne ne pourra approcher sans se faire repérer. On pourrait même tuer des fourmis d'ici avec ces fusils de sniper. On a eu du bol de les avoir. Il paraît que Batman a chopé les gars que le Joker avait envoyés pour la dernière livraison. Oh, on parle pas. Le Joker semblait furax. Il veut la peau de Batman. Faut surtout pas le décevoir. Ouais. Alors, on a reçu un message du Joker, c'est bon. Vous avez un appel en absence. Hé, Batou, tout va bien? Désolé, Carla a volé ton antidote. Tu étais tellement occupé avec Freeze qu'elle n'a pas osé te déranger. Ne t'en fais pas. Dès que cette petite coquine sera ici et que j'aurai ma part, je t'en mettrai de côté. Tu vas devoir faire des efforts pour l'avoir, mais l'antidote t'attendra sagement. Tu ne vas sûrement pas me croire, mais je ne peux pas rester à te regarder mourir sans rien faire. C'est égoïste, mais on a besoin l'un de l'autre. La vie serait ennuyeuse sans toi. À qui je parlerais? Qui me comprendrait vraiment? Je le bute. D'accord. Ah, par contre, il y a pas mal de snipers. Ça peut être vite un problème. Le protocole 10 prendra effet dans une heure. Je m'ennuie, je croyais qu'on serait parti depuis le temps. Relax, mon pote, ça va venir. Le Joker veut qu'on bouge sur le territoire de Double Face. On va montrer à cette ordure que le patron rigole pas. C'est un miracle, pareil. Hier, je croyais que le Joker était foutu. Et aujourd'hui... Hé, Batou, c'est moi. Pendant que tu sauvais Miss Vale, j'ai pris la liberté de renforcer la sécurité dans mon assuré. Je suis vraiment désolé de devoir te l'annoncer, mais je crois bien que même toi, tu ne pourras pas y entrer. Oh, ça devient vraiment trop éprouvant. Alors, j'accepte. J'ai beaucoup de mal à t'imaginer mourir là-bas. Je ne sais plus pouvoir allonger dans la neige sans vie. C'est bien la seule chose qui me redonne vraiment le sourire. Alors, c'est vrai que c'est par là qu'on monte dans la Syrie. La chaudière génère bien trop de chaleur. Je dois trouver une autre entrée. Oracle, trouvez comment entrer dans la Syrie. Voyons un peu. J'imagine que vous voulez l'itinéraire le plus dangereux possible. Pourquoi changer les habitudes? C'est votre jour de chance. L'autre chemin consiste à passer par les échangeurs de chaleur, au sud du bâtiment. Je l'indique sur votre carte. Ça va être par là où il y a les snipers. Tu crois vraiment qui va venir? Qui, Batman? Évidemment. Non, je parie que Freeze l'a buté. Il doit déjà être transformé en Eskimo. Vraiment? Ouais, Freeze doit être Furax. Y a de quoi? Le Joker a pris sa femme et a menacé de la débrancher. Impossible que Freeze oublie un truc pareil. Comment tu peux savoir ça? Le Joker m'a fait mettre la femme de Freeze dans un van, mais je sais pas du tout où elle a fini. T'as vu à quoi elle ressemblait? Elle est canon? Elle est dans un bloc de glace. Si tu la décongelais, elle serait canon?
Si j'ai bien tout compris, si on la décongèle, elle crève. Mais pour répondre à ta question, ouais, ça va. J'imagine qu'elle a l'air mignonne. Dans le style nana morte de froid, quoi. Super. T'es dingue ou quoi? Qu'est-ce que c'était? Grenade! Du calme! Il faut qu'on se ressaisisse et qu'on le retrouve. Si on fait pas plomb, on est foutu. C'est compris? Qu'est-ce qui se passe ici? On va commencer par lui. Voyons, 5 contre 1. C'est pas un coup de capitaliste. Mais pas pour vous, crétin. Je m'occupe de la porte. Mince. Ah, ils ont des armes qui tapent un peu plus qu'avant. Alors, va falloir réussir à infiltrer la Syrie. Je m'occupe de la porte. City. Ceux qui prétendent le contraire peuvent aller crever. Il me semble qu'on est tous enfin prêts à arrêter Batman cette fois. Non ? Pas question que Batman s'en sorte. Le Joker le veut, je le trouverai. Pouvoir m'échapper. Tiens, une grenade. Ça pas comme ça. Prends ça. Ah, grenade. Je pense qu'il y en a d'autres, par contre, je m'en fous. Je meurs d'envie de savoir qui parmi vous sera le premier à être connu par Batman. Voyons voir un propre ami qui est piqué collé. Ouais, c'était très mal joué. On essaie d'aller trop vite. Arkham City est un nom. Je vous considère un prostate. Et vous devez savoir avec quelle ardeur je massacrerai les deux pauvres. Grenade!
on se disperse et on trouve ce salope. On se calme. Il faut qu'on se ressaisisse et qu'on le retrouve. Si on pète un plomb, on est foutu. C'est compris. Vous allez bien? Ce n'est que Batman. Il n'a jamais dû tuer personne. Enfin, on ne sait jamais quand il va vouloir s'y mettre. Hein? Laisse-moi tranquille, Batman. Je t'en supplie. Ok, c'est bon, on a tous eu. A priori, c'est par là qu'on va pouvoir rentrer. Est-ce que je dois tout faire moi-même ici? Ah, niveau supérieur. Je vais peut-être prendre une armure supplémentaire. Tant pis. T'as entendu parler du protocole 10? Ça a l'air carrément flippant. Tu vas crever, ordure. Tu vas me laisser passer ou pas? Je viens d'avoir mon père. On l'a convoqué à la mairie. Strange demande à ce que le protocole 10 soit activé d'urgence. Est-ce que Gordon sait ce qu'est le protocole 10? C'est la mesure de sécurité la plus extrême. Strange a dit aux membres du conseil qu'il n'avait pas réussi à endiguer l'utilisation illégale d'armes dans la prison. C'est lui qui les a fournis. C'était son plan depuis le départ. Ça semble être le cas. À l'entendre, les prisonniers planifieraient une évasion en masse, suivie d'une attaque de Gotham. Je vous recontacte plus tard.
Merci. Ouais, il avait l'air d'aller bien, pas vrai? Ok, on avance dans la Syrie. Comment c'est possible? Je l'ai vu hier et il avait l'air complètement rongé par le poison. Et aujourd'hui, tout a l'air d'aller pour le mieux. Il a trouvé un antidote ou quoi? Je sais pas. Aux dernières nouvelles, les médecins pouvaient rien faire pour lui. Queen m'a même demandé de torturer une toubib pour qu'elle trouve un antidote. Qu'est-ce qu'elle a dit? Jusqu'à ce qu'elle meure, elle a pas arrêté de répéter qu'il n'y avait pas de traitement. Après ça, elle a plus dit grand-chose. Ouais, je fais un très mauvais combat, là. Tu n'es pas censé être sur tes deux pattes pour essayer de m'arrêter? Bon, on tente. On va continuer d'infiltrer la Syrie. Joker, toi aussi, non? Ouais, il avait l'air d'aller bien, pas vrai? Ouais, comment c'est possible? Oula. Voilà. Bonsoir, chers soldats. Ici le général J qui nous apporte des nouvelles toutes fraîches de notre cher Arkham City. Comme vous pouvez le voir, je vais beaucoup mieux. En fait, je crois que je n'ai jamais été aussi bien. Vous devez sûrement vous dire comment est-ce arrivé. Pourrais-je avoir un peu de cet antidote? J'exige des réponses, bon sang, et vite! Oui, seulement voilà. Les réponses ne sont pas toujours très satisfaisantes. Il faut parfois savoir se préparer à être déçu. Allez, on avance. Bon, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Le Joker va gagner, et toi et ton patron, vous allez perdre. Bon. Batman est là. À l'aide, pitié! Qui l'aurait cru? Batman m'a sauvé! D'accord, c'est juste ça, je peux pas lui parler. Ah, ou? Sans déconner? Il m'a bien eu. Par où il faut que je fasse là? Je
pense qu'il va falloir que je passe par le côté là. J'ai piraté les caméras du conseil. Les conseillers reviennent. Ils n'ont pas l'air contents. Ils disent à Strange qu'il les a beaucoup déçus. Qu'ils n'auraient jamais cru que le protocole 10 devrait être activé. Mais ils lui en ont donné l'autorisation, n'est-ce pas ? Bonsoir à tous. Le protocole 10 commencera dans 30 minutes. Vous avez des ordres spécifiques pour cette situation. Suivez-les. Vous avez toujours besoin d'une réponse ? Bruce, je n'aime pas ça. Soyez prudent. Je ne peux pas utiliser d'autres grenades. La glace sur laquelle je suis est bien trop instable. Comment je fais pour avancer du coup ? Peut-être par là, ailleurs. Passer par là non plus. Alors. Ah si, je sais. Mince. On va utiliser la tyrolienne. Alors, où est-ce qu'il y aurait un bouton? Est-ce que je sais éventuellement? Non, ça marche pas. Ah, le bouton il est là, ok. Hop, on va aller faire demi-tour tranquillement par là. Mince.
Ah, il y a un truc en haut. Wow, raté. C'est pas un bouton ça par contre. L'air d'avoir un truc en haut, mais j'arrive pas à voir. D'accord. C'est un truc à voir ça quand même. Ah, j'ai touché là, non? Ou alors c'est que c'est peut-être pas ça. Hein, mais... Le fait qu'il y ait des trucs électriques dessus, ça me dit quand même... Ça doit quand même être ça. Voilà. Ouch. Oh bon sang, c'est vous? Je suis désolée. Ça va, tout va bien. Vous avez de la chance, j'aurais pu vous tuer avec ce truc. Croyez-moi, docteur, quand quelqu'un essaie de me frapper avec un tuyau, je ne lui laisse pas le temps de s'excuser. Qu'est-ce qui se passe? J'ai suivi vos conseils. Je suis restée cachée et j'ai gardé un œil sur leurs activités. Ils ont placé des choses sur le sol dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait que le Joker veut m'arrêter en posant des mines. Des chances ? Est-ce que j'ai l'air inquiet ? Inquiet ? Non. Malade ? Oui. Vous avez mauvaise mine. Ne vous inquiétez pas pour moi. Retournez dans votre cachette. Je vais m'occuper des mines. Bien. Mais alors ça, on fera ça lors du prochain épisode. On va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Batman Arkham City vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.